l'esprit, même au code. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'entrée de l'artiste de votre délégation. C'est pas une manière d'applaudir, on peut aussi applaudir. Merci d'avoir pu leur donner ces chances. On rend la vie pour elle, la vie au carbone. Nous remercions, nous avons accepté de répondre favorablement à notre confrontation de ce jour. Sincère excuse pour ce retard, nous sommes en obligation de courir après le temps. Donc excusez-moi, pendant la partie de questions à répondre, nous serons dans l'obligation d'éliminer les questions qui seront posées. Eh bien, c'est à l'occasion de la présentation de notre album que nous avons bien pris soin d'auditionner, qui est Gum. Eh bien, retenez que l'artiste que nous avons avec nous aujourd'hui, c'est un artiste congolais qui revendique une forme de métissage musical après les succès, entre autres, de morceaux sur la caisse ou Nyongo, présent sur son dernier album, Gum Volume 1. Le chanteur revient avec un autre album qu'il a présenté le 28 avril récent. Et bien, en exclusivité, Fabregas Maestro a pris soin de pouvoir nous donner rendez-vous demain samedi ici, au même ligne. Et bien, avant de pouvoir accorder la parole, certes à l'artiste et à l'équipe qui l'accompagne, il est important de commencer, surtout de saluer l'implication de l'hôtel Même Ligne, ce beau cadre qui nous accueille non seulement pour la conférence de presse, mais aussi pour la présentation de l'album Gum. On va commencer avec Mme Karine pour le compte de l'hôtel Même Ligne. Mesdames et Messieurs, au nom de la direction de l'hôtel en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes contents de travailler ensemble avec l'artiste Fabregas pour l'évolution de la culture congolaise. Nous sommes tous contents de vous attendre demain ici à 17h30 pour un grand événement et pour la réussite de cet album. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et bien, je pense qu'il est important quand même de pouvoir y revenir en arrière avec l'artiste Fabregas Maestro lors des Afrika 2023, qui s'est vu décerner le prix très convoité de Best Male Artist Central Africa, qui est le best et le meilleur artiste africain de l'Afrique centrale, qui récompense le meilleur artiste masculin de la région. Je pense qu'il est important quand même qu'on applaudisse pour ce mérite de l'artiste. Eh bien, je tiens à préciser qu'il n'est pas seul, il est en compagnie de son chef d'orchestre, qui est Francesco Totti, qui est à ma droite. On va s'ouvrir aux questions et réponses. Eh bien, je laisserai à l'intro l'artiste vous parler et dire le pourquoi, sa motivation et pourquoi il a attendu assez longtemps. Retenez que l'artiste compte à son effectif 5 albums. Il parlera de ce long moment de break, pas parce qu'il n'avait pas de production, mais le bon moment de travail sur son album. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il a choisi la date de demain pour nous livrer et nous présenter son album en intégralité. Mesdames et messieurs, Fabregas Maestro de Métis Noir. C'est bon. Bonjour, grand frère. Bonjour. Je commencerai par dire merci à tous mes grands frères, mes sœurs, mes frères qui sont là aujourd'hui. Les amis de la presse en Afrique, la presse écrite, la radio, les télés, les amis de tous les dimanches, tous les samedis. Je suis très heureux aujourd'hui de vous revoir aujourd'hui. Ça témoigne de l'amour que vous avez pour moi, pour la culture en même temps, pour Fabregas. Vous avez été là, il y en a qui ont été là de nos débuts, qui sont encore là aujourd'hui. Je suis très flatté, je suis vraiment comblé de joie, on va dire comme ça. Je vous remercie énormément pour ça, pour votre venue aujourd'hui. Je vous remercie pour la confiance que vous nous donnez, que vous
travail que vous faites pour la culture congolaise en général. J'ai tenu à vous dire ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je vous ai appelé aujourd'hui pour vous présenter d'une manière aussi exceptionnelle mon album Gon, que vous écoutez déjà, que vous savez déjà. Je l'ai sorti d'une manière frauduleuse, on va dire. Je fraudais. Parce que j'arrivais pas encore à ramener à la presse d'une manière officielle. Bon, je voulais changer un peu. Je voulais changer cette fois-ci, de présenter d'abord au petit peuple comme je le fais. Je fais des petits concerts partout, dans communes différentes, Lemba, Tchangou. Maintenant, je voulais présenter au grand public en public. Donc, je suis venu en retard, mais c'était stratégique, j'ai voulu quand même changer. Bon. Je tenais vraiment à vous dire encore un enfin, merci d'être venu. Très bien, merci. J'étais sûr de l'appeler pour ça. Il y a vraiment à remercier à tous ceux qui l'ont accompagné, les amis de la presse. Eh bien, je pense qu'on va devoir s'ouvrir. Bien avant cela, je passerai la parole à M. Tim Teba, qui est l'événementiel de Merling, qui nous parlera des conditions prises pour cette date même et comment on va s'y prendre, la sécurité, est-ce que tous les moyens sont réunis pour avoir non seulement d'assister à un événement historique pour demain, mais qu'est-ce que l'on va faire réellement pour reprendre et prendre part à ce grand jeu pour la présentation des albums. Oui, merci beaucoup. Un fidèle allié de Maestro, et bien Francesco Stotti, merci, l'Américain de plus. On en parlera peut-être en détail, ce sera les questions qui seront posées par nos amis de la presse. Place aux questions-réponses. Rapidement, comme je l'ai dit, on va devoir en sélectionner. Et prière, bien sûr, de pouvoir écouter les autres questions, qu'il n'y ait pas les rédites. Tout va aller la tout l'heure, nous découvrons sous sa priorité pour permettre au Rousseau tout gagner temps. Et surtout, que va être sous-précieuse à tes questions encore, au Tony, aux amis déjà à Babazaï, le Rousseau, à qui tu t'adresses, il n'y a pas de problème. Je souhaiterais quand même voir. Bien sûr. On va commencer avec Aki Akiwa en premier pour la question. Merci d'être de l'autre Aki Akiwa. Allez-y, utilisez les micros. Il n'y a pas de micro ? Il y en a juste devant, il faut. Félicitations pour ton trophée. Merci à toi. Ton album est sorti au début de cette année 2023 et sera présenté officiellement au public fin de l'année, c'est-à-dire nous sommes déjà au mois de novembre, c'est déjà. Alors, je me rappelle que le 12 octobre 2019, c'était l'album cible qui a été présenté à Paris, le 12 octobre précisément. Mais aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, le 27 octobre. Est-ce que c'est un hasard ou tu choisis les dates pour qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour Gon, pour le mois d'octobre? Ça, c'est la première question. La deuxième, Gon, c'est pour effacer quoi? Voilà les deux petites questions. Merci beaucoup, Kaki Akiwa. À M. Kaki Akiwa, qui est mon frère de l'anglais, on va dire. Le mois d'octobre, Isaac Amon, c'est ma bonne chose pour moi. C'est un hasard, on va dire. C'est pas calculé. Avant Gon, pourquoi Gon? Parce que. Il m'est arrivé beaucoup de choses, beaucoup de péripéties qui m'est arrivé lors de la réalisation de cet album-là. J'ai eu le départ de musiciens, j'ai eu les fuites de musiciens. On était parti à 28, on a fait 28 visas, on était rentré à 8 à Kinshasa. Donc, après ça, on est rentré aux États-Unis, au terme. Les 8 qui restaient, j'ai ramené aux États-Unis, on est rentré à 4. Donc, mes fans étaient choqués. Et c'était cet album, je l'appelais Gon, c'est pour nous nettoyer les blessures des villageois, de partout. C'est-à-dire pour moi, la meilleure manière de les essuyer les larmes, c'était de leur donner de la bonne musique, de belles mélodies. Donc c'est pour ça que j'appelle Gon. Après, quand je dis souvent que les musiciens ont fui en Europe, c'est quand je dis Gon, c'est pas pour effacer leur carrière, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Villanova? Je crois que chacun d'eux a apporté à faire à l'édifice, mais c'est pas pour essuyer leur carrière ou nettoyer leur savoir, non. C'est juste pour essuyer les larmes, mes fans, parce qu'ils m'ont prouvé combien ils étaient fidèles avec moi. Même le musicien que j'ai dormi avec, je partageais tout avec, ils m'ont lâché un moment, ils m'ont tourné le dos, mais les fans là, ils étaient là pour moi,
jusqu'à aujourd'hui sont importants. Donc pour moi, la meilleure manière d'essuyer des larmes, les fans, c'est des commis, c'est d'essuyer des larmes, à travers le même mélodie. Merci pour la réponse. Attends, Tosin, donne-moi de quelques raisons. Gisèle, j'ai dit merci déjà pour ta question. Et je crois que, on va dire que la femme, pour moi, elle a vraiment tout. Parce qu'on vient de la femme. Parce que c'est la femme qui m'a donné naissance. Je fais un clin d'œil à ma mère, ma mère Lisée. Elle est en vie, je n'ai pas le grain, hein. Non, elle est en vie. C'est de la salive sur un bout en passant dans les idées. Pour moi, la femme doit prendre tout. C'est la femme qui nous met au monde, on aime la femme. Et sans les femmes, je pense qu'on ne pourra rien faire sur terre. Enfin, pour moi, les femmes passent en enfin, c'est connu de tous. Cette morceau, je l'ai fait, c'est, en vrai, c'est la musique réelle en fait. Je suis réel dans mon art. Je vais essayer d'écrire ce que mon vécu, c'est mon vécu en fait. La différence avec mon premier volume de cet album Gon et le deuxième volume, c'est que dans le premier volume, il y a le vécu des autres, il y a des histoires comment raconter. Mais dans le deuxième volume, c'est vraiment. C'est la plupart des chansons qui sont là, ce sont mes vécus. En fait. Les choses que j'ai vécues, moi, ça se passe personnellement. Donc je me disais, bon, écrire mon histoire d'amour, le morceau s'appelle Histoire d'amour. C'est mon histoire d'amour, c'était comme ça que ça s'est passé. Et moi je ne vais pas aller de cette optique-là. D'où tu vas, t'es non, ils n'ont pas voulu que je pose leur fille, machin. J'ai sali en passant papa, dis-moi mon Malisa et maman Angélie. C'est mes belles familles. C'est ma belle famille. Mais plutôt, moi, je voulais vendre cette partie de ne pas lâcher la prise, de ne pas céder. Est-ce qu'il y avait une tractation avec votre femme? Je voulais vendre cette partie des... Quand tu veux quelque chose, quand tu aimes une personne, essaie de persévérer. Essaie de ne pas écouter ce que les gens disent. Écouter les envies, les gauches à droite. Quand tu aimes une personne, quand tu veux de quelque chose, persiste, donne-toi des moyens pour les avoir. C'est-à-dire, moi, malgré tout ce qui se disait dans mes familles, malgré tout ce que les amis de ma part peut-être disaient, mais ça n'a changé rien en moi en fait. Je me suis bâti pour leur convaincre, pour la convaincre, pour leur montrer que c'est vrai que je suis un musicien, mais je ne suis pas un fumeur de chambre. C'est vrai que je suis un musicien, mais je ne suis pas un aventurier. J'ai tenu ma parole en fait jusqu'au bout. C'est pour moi une manière de dire, surtout aux femmes, de se donner le moyen pour vivre ses rêves. De ne pas lâcher prise parce qu'on t'a dit des choses, parce qu'il faut donner la chance à la personne que tu es, tel qu'il est. C'est dans ce sens-là que moi je voyais la chose. Mais après, dire qu'il est filmé, moi je ne filme pas personnellement. Je ne condamne pas les gens qui filment, mais j'estime que moi, ça n'a pas été le cas par exemple. C'est une manière de dire que c'est vrai qu'on peut être artiste, mais on est humain en fait. Donc on a cette difficulté. Ce n'est pas que les artistes. Hein. Dans chacun de nous a son histoire, je crois. Chacun de nous a son histoire. Je pense que même dans la musique, moi personnellement, ma mère et mon père, qui sont aujourd'hui fiers de moi, ils ne m'ont pas laissé faire de la musique facilement. C'est-à-dire, moi je ne vais pas à l'optique. Moi je vais pas dans ton optique, tu vas chercher des plans. Mon optique, c'est de savoir pourquoi mes parents vont bouillir. Il faut poser aux parents maintenant. Selon toi. Donc moi, mon problème, c'était d'enseigner aux gens, de persister, quand ils rêvent un truc, persiste dans tes rêves, persiste dans ce que tu aimes, donne-toi les moyens, fournis beaucoup d'efforts pour en avoir. C'est ça mon objectif. Merci beaucoup. Je crois qu'on va aller dans l'optique de voir trois questions par famille. Allez-y. Joe Babette. Merci. Francesco. J'étais avec le chef. Il m'a dit, Fraise, qu'il y a une partie. Il plairait, Francesco. Mais t'es alliant, si je ne me trompe pas. Je lui avais dit, je lui avais donné la parole, je lui ai dit, lui, il n'est pas parti. Il est revenu. Et puis au final, il est revenu. C'est quelqu'un qui nous a ramené beaucoup de choses. Son apport est énorme pour moi, je ne peux pas oublier. Il m'a ramené la danse Yamato, Kenya.
Il m'a ramené la danse de Sikida avec le grand air. Il m'a ramené la danse de passage avec le Kolebinaté. Avec tout ça, je me disais, bon, si une orchestre est comique au voyage, et comment tu viens à Paris, tu viens à l'Amérique, orchestre, on va poster un moment où il y a un récit. On a souhaité qui, bateau, il va payer sa réforme, ma classe, il va passer à la pour vivre ensemble. Et comment on a eu au Kenya, ça m'a choqué. On a Christelle, danseuse dans son nombre d'endologie. Attends, Kota, on va la mort à sa clé par l'endologie, à bien y danger, mais dans la paix, ça qui vient d'un bélé, t'es dans la groupe. On a souhaité la monnaie à Pessa et Sous. Et je fais ces démarches-là de les recontacter. D'une manière, on a contacté avant d'une manière spirituelle. On a l'éligant, on a l'éligant. Après, on a l'arabe, on a l'éligant, 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 on a l'éligant. Et puis voilà. Mais sinon, et Bélé, on a l'éligant, on a l'éligant, on a l'éligant. Si j'ose vous dire que. Et tout ça qui est sauté à un moment, là, non, c'est. Ça va être mentir pour rien. Je sais que je suis un hypocrite. Je sais que je suis pas vrai, mais là tu es dans un niveau là. Ça me dit non, ça me dit pas parce que. Non, vas-y, je sais que je suis un hypocrite. Mais Coco Sarké et Swazinga dans ma mission, c'était vraiment des talentiers. On s'était familiarisé. Je sais si ça caresse. Mais je ne pouvais rien faire. Tu as ça. Force d'avoir tout l'animal et voler à continuer. Au bazar, la villageoise, dans la départ à la barre. Au cabane, la mission là. J'espère que si on a la ligue, on va continuer à bonne chance. On va voir ça là. Nous, de l'autre côté, on continue et on essaie d'avancer. Je vais rattraper une autre question. La deuxième question relative à deux titres. Publicité. Dans la carte, il y a le banque D. Les amis de publicité à Frère Nanaïoko et Frakazal. Dans la société Naïe. Donc à Binaïtoïe, mais la société Naïe. Il y a un pif en fait. Bon, on est artiste. Il faut savoir plus de bon, ok, une dépense, madame, il va s'y marrer. Donc ça, il y a une société Naïe, on s'est inventé nos mots. Il s'est fait sauter, moi, là, il y a pour confirmer, maman nous a raconté comment maman a eu et ça m'a raconté la confirmation. Et menace, c'est la titre en zéro, on a déjà donc, on a dit menace. Moi, si, on a menacé mon bal, mais en zéro, ça y est. Banga, dans son menacé. Banga, pas de problème. Ce que vous voyez, y'a madame, mais que vous voyez, y'a madame, vous faites la yo sur place. Ce qui nous a tué les mines à mon monté, mais c'est des. Je me suis dit que vous, moi, ça va pas l'air, mais quand vous êtes au bout maté, pour ça, vous me mettez. Donc, vous faites sur place. Alors, vous menacez la mort. Menace mort. C'est pour ça que je vais mettre moi la menace. Merci. On va prendre. Pour l'état d'esprit, merci pour la question. C'est vraiment une question. On va dire, elle est en question de mon programme. Ok, mais. Ça, cette question-là. Et Balousim Nama et Moussou. Et ça parmi, et ça clé et événement à l'Obi. Et ta au Nazar qui m'entend organiser à Bambo. Vous quand vous organisez à Bambo, Mission 28, Pakimi, ok 28, Bosoni 8. Ok, sous 8, on a 4, dans notre cas, on a Chomina, Gina, on a Francesco, on a Serge Nabisson. Serge, vous allez qui n'a pas de côté, Yves. Donc, vous allez avoir la petite bombe, Koufi. Au Banisco, pour ça l'équipe nous sous-secours, c'est là qui vraiment compliqué. J'espère que la catch album, en gros, la salle qui a outre dans l'intro, dans les qu'on expliquait un peu. Ma condition, il y a un vivant qui tombe dans la salle à bord. C'est là qui est très très orienté. S'il vous plaît. C'était très très horrible pour moi. Ce qui m'est arrivé. Je vais dans ce tarotier et comme il a même pire ennemi dans la vie. C'était très 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 horrible. Je vais quoi, aujourd'hui j'ai 36 ans d'âge, mais je ne me voyais pas dans tout ça. Et c'était des choses que je ne m'imaginais pas que ça pourrait m'arriver un jour. Et quand ça m'était arrivé, je ne me disais même pas que j'allais me tenir, j'allais me relever aujourd'hui devant vous. Grâce à Dieu et grâce aux meilleures femmes du monde que j'ai eu, les villageois et les villageoises, et grâce à vous, certains amis de la presse, ils m'ont consolé, ils m'ont écrit, ils m'ont. Vous me recevez dans vos plateaux, vous me donnez la force. C'est. Je me suis retrouvé debout, on va dire ça comme ça. C'est une manière de dire que c'était vraiment
Il y a eu beaucoup de péripéties pendant ce moment-là, mais Dieu a fait en sorte qu'on se relève plus tôt. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup pour ça. Les villageois, de partout, et les mélomanes de la bonne musique surtout. Je vous remercie énormément pour cette force que vous m'avez donnée. Réaliser cet album, c'était vraiment compliqué. C'était là qui, vraiment, il ne faut pas le mentir. Hein. Il y avait des fuites de musiciens, j'avais connu un accident. On m'a opéré, le jour où on m'a opéré, le même jour j'ai fait un accident. C'était très très compliqué. Il y avait pas mal de détracteurs, il y avait même des amis qui travaillaient avec moi, à qui j'ai donné de la chance, on va dire, mais qui étaient heureux du fait que ça m'est arrivé des choses comme ça. Bon, après, je ne souhaiterais pas que ça les arrive, mais ça faisait trop mal. Je suis humain, j'ai le sang rouge, mais bon, je suis un artiste. Je ne pouvais que chanter. Et j'étais rassuré que c'était très difficile. Mais bon, je remercie Dieu et tout le monde qui était là pour moi. Et surtout mon manager, Josky Garsongo. Parce que, à part ce qu'on voyait en face, il y avait des choses qui se faisaient en bas aussi. C'est-à-dire, nous, on voyait que le musicien Bakimi. Il y avait même d'autres artistes qui étaient derrière certains musiciens. Tu ne peux pas croire, tu ne peux pas imaginer. Mais bon, c'était comme ça. Il y avait des choses qui se passaient, même les amis à qui je comptais, pour moi, c'est mes amis. Mais non, mais c'est des amis, quoi, qui disent à des artistes, non, bon, nous, on est l'ami. Même il y a des gens de ma famille, de ma propre famille, ils sont transformés. C'était compliqué, ce moment. Mais bon, gloire à Dieu, et puis bon, on est mon demain. Un mon demain ne perd pas dans un combat. Et on s'est réveillé plus vite, c'est le plus important. Mais je tiens à vous dire merci pour tout ça. Merci beaucoup. Merci, le maestro. Il y a une autre question de Bams Badjoko sur votre présence lors de votre nomination chez Afrima. Il y a eu vos artistes en lieu de place du maestro. Pour la question d'Afrima, je crois que Gina, c'est ma porte-parole. J'ai vu Gina dans votre émission, très belle émission, d'après ce qu'on m'a fait comprendre, et puis d'après ce que j'ai vu. Donc, Gina Sardolo, mais là, on a le bac à tout. Voilà qui est le roi de play. Voilà qui est Jonathan Lecran. Et là, la Tinaï. J'avais un contre-temps. Vraiment, j'avais la concert à la tour. J'avais la soirée à la tour. Et là, il samedi. Festival des Nuni. Il y a qui cérémonie qui dimanche. Donc, je fais de mon mieux pour y être. J'ai même pris mon vol pour y être. Je suis arrivé en retard, l'événement, et silence aux 22 heures. Il y avait vraiment des contretemps qui ne m'ont pas permis d'être là. Mais bon, ce qui est beau, c'est que les Gina et Francesco et Chomi, Francesco Koudouillé, Paul Naïe, SNZ a eu un problème. Il va décoller deux fois avant qu'il arrive. Donc, il y a pas beaucoup de retard, on a combien de retard. Et c'était très compliqué pour nous dans l'événement, dans la cérémonie. Mais bon, ce qui est beau, on va à qui Chomina Francesco, Nana Gina, pardon, le représentant de Villano, il m'a parlé vraiment. Et merci, Navato, pour la mission, pour ma souhaité qui est né artiste d'Afrique centrale et de la Congolais. Merci, Navarro. Et je tenais à être là, mais c'était un contre-temps. Après, il y avait une question, votre lobby a mérité à noter. Pas de problème. Je pense qu'ils sont libres de dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils pensent. Mais bon, Titi Lamoto a perdu l'élection et dans l'amour. Moni Mouto, au Votagi Bena, on est dans la Votagi, Tony Kofa gagné. Parce qu'on a Moni Benake, France Demain n'a pas gagné. Donc, moi, côté Naza, dans la Titi Douane, qui est non, t'as mérité, mais c'est le Franck Azali. Je suis un peu plus de temps.
biloko sale ke na zo na lumola biloko sale ke bandi mate ke na zo na de tous se comprendre mais ma titi na parlo ko ba ke a ko mérité de être frustrant à ta fait na bi ke mto pour dire dans la réflexion vous ne pas gagner à mon tas comme bon beaucoup en sont en ligne de notre président de la république et ça dure après 5 ans donc pour pas la semaine côté ma pas ça on a donc ça dit là on ça ma son on va se donner à moi. On est dans la la peau, on a maintenu un sentiment avec le meilleur artiste africain. Ça n'a pas pris mal. Ça va être événement en dessous prochainement. Et ça va quand même pour nous. Après, bah, toi, ce qui est beau, c'est que nous avons quitté. On a dit nous venons à monter dans la taille. On a mis bien avis sur le cap la merveille avec nous. Donc, nous sommes à la joie. Mais nous avons souhaité qu'on l'a joué. Pour être dans la team. Le plus important pour moi, je pense que ça. Donc, bah, toi, là, bah, pour le ballon, on parle même bah, tout. Dans la mission de Bamdala, malgré ma péripétie dans les cas de l'amour, Bamon Souya Bamba, Bamon Simmati. Toi, la zone à Bamon, je ne pense pas qu'elle en soit les Kamdabi. Bamon Badala, Bamon Pou, Makamonayo et Zalabiendi. Bamon de travailler, avant il y a des lois, des joies, Bamon, mais si mis déjà dit. Bon, dès qu'avant ça, les lois, il y a grand frère Nabiso, les padres, les pères, les dynasties. C'est le moment d'avoir dans ce moment-là, il y a aussi Albam Mouti. Il y a mis ça à plaisir, là, honneur, et on le voit dans les cimetières. On a évité si vous derrière ce qu'on a fait, comme ma culture à Congo, ou tout ça à plaisir, là, il y a un artiste qui a les mains. Et je pense que l'artiste avant, il y a un artiste qui a les mains, il y a une culture à Congo, il y a la lumière. Je pense. Et là, il y a un artiste qui a les mains, ça ne monte pas pour travailler. Vous soyez bien, il y a un artiste qui a les mains. Dans les cimetières, mais à côté de la réseau, tout est à bloquer. Qui nous dit, ah, mana, koulana, yo. En fait, dans ce moment, ah, et comme vous voyez, ok, pas de problème. Alors, lui, pour moi, on a sous cassé, c'est pas mon image. Oh, merde, c'est un fils d'Antoine, il est là, par le casque, et à comment on est. Voilà, il y a un jour, il est là. Eh, à cause de qui? Mais vous n'avez pas, vous n'avez changé. Il va aller, il est là, pour moi, sous cassé, on va tourner. On est dans ça, vous voyez, à bord, on a un bon moment, on va tout. Il y a un bon moment, on a fait, bon, c'est mis, t'es mis. On a peine dans la télévision, on a monnaie trace, on a monnaie groupe trace par ce premier événement. Trace à fois les a parmi la chaîne, la télévision, on a mis numéro 1 dans le TT, tout bon. Trace à fois les deux a un grand TT pour l'Africain. Beaucoup dans la rapport. Mais retour à quand on disait, on a mal, Rome m'a déplorément déclaré, un patrimoine, et comment patrimoine de l'eau. Je vais vous rappeler que je suis dans le classement à 10 premiers de Trace Afrique. Au moins, ça veut dire Roumaga Yango, qui nous livre. Voilà, Roumaga Yango, ça fait aujourd'hui, à toi, maintenant, ça fait 6 mois les lots. C'est un moment où la Roumaga est dans le classement, la Roumaga est dans le classement. Je me dis, fier de moi, fier d'être son temps, la Roumaga. Et ce qui ça me et ils ont rappelé encore, bah, toi, là, encore une fois. Non, je n'ai pas voté. Moi, je suis sûr que a mérité de voir. Parce que tout nié. Non, la vérité, on ne va jamais y aller. Et puis, je suis comme si on était. Il y a mon bras à la bombe. Mais il y a un autre qui l'a raté. Après, il y a un autre. Dans ce cas, il y a une des possibles. Donc, je suis là, depuis un moment, je me suis décidé de travailler, de passer outre, en fait, de me donner plus, de donner plus de temps au travail et d'entendre. Les gens qui ne savent rien dire des choses sur moi alors qu'ils me connaissent rien. Ouais, maestro, il y a certains qui t'ont répondu en gros parce que Villanova, Tobeta Rabinala et Tobeta Rabina, toi parmi l'orchestre, on a pour gros, on a fait ta balaye, pour moi, c'est donc la peine de le faire bien. C'est vrai qu'on n'est pas au Rassol, on n'est pas au Fioluminé, on plus jouer piano. Mais on sait quand même défendre la culture congolaise parce qu'on est né ici, en chinois. Vous avez la musique. Donc, ma chaîne, on peut mettre un j'ai confiance en lui. Je vous réponds en vous bien. Particularité, vous allez dans l'album Gold, vous allez qui est. Et là, Fabregas, mais en mieux. C'est-à-dire, là, Fabregas, au bout de l'eau, la zone qui est sous la Rambouya, les gens qui disent des choses, c'est un nom, en fait. La même Rambouya ignorant. Nous devons éliminer quand Fabregas a réussi à faire. La zone où on a bien avec où et où comme une révolution. C'est-à-dire, vraiment, on a la janvier, vraiment, on a bien la descente. Il y a eu une révolution, mais il y a eu un cas à faire comprendre que c'est une révolution. Et puis il y en a, il y a eu un cas normal, il y a eu un cas intentionné, mais tellement il y a eu un cas trop,
a commis un fiancé. On comprend. Album Moyo, ils allient parmi ma belle performance Mangaï, parmi l'album Moyo. Oyo, la différence, là, ma bande d'avant, M. Zali, ils vont avoir plus de qualité, on va dire comme ça. Ils allient au moins, surtout avec un clip là au moins là, ils ont dit ça, peut-être en Miami, dans ce temps-là, on dit ma bande d'avant, Miami, t'es là. On a poussé moi pourtant plus loin, même en termes de sonorité, sur YouTube, on a sonné, ma mix, ma mastering, ma bande d'avant, il y a la nouvelle technologie, la qualité est là. Et au moment où on a fait la lyrics, la texte, c'est un peu plus mûr. En fait, si tu veux, album, on a plus de maturité que les autres. Et puis, si je veux me baser la particularité, là, on a un monde. Exemple, quand on a ce domaine, c'est dans la. Comment on appelle ça? La stream, là. Elle m'a dit, on a un monde. Ça stream plus que la dame dans la précédente. Même le vivre. Sur YouTube, tu regardes les clips, il y a plus de vues que les albums précédents. Il y a un terme de. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour maestro. Bonjour. Ouais, bon, en fait, mes questions encore. Oui, en fait, moi, d'abord, je vais vous féliciter par rapport à l'album. Nani. Ah, il y a Charlie. Ouais, c'est que le dit Jasuka, Mbelenga et les Niagongo. Oui, maestro, félicitations pour l'album Nayo. Merci beaucoup. L'album Kitoko. Et Naébite, la demande, il y a ma villageois. Est-ce que vous avez peut-être pour l'album Ningibini, puis vous avez la demande à ma villageois, peut-être pour ça, le plaisir, offrir un événement, moi, on est né dans le stade de Martin, parce que vous participez à l'équipe dans le stade, il y a un Nayo Ferré. Naébite, vous avez besoin de se sentir prêt, ou bien vous avez la demande, il y a ma villageois pour l'album Kitoko, vous avez offrir un. Et voilà, il y a sous comme on a eu concernant TikTok, collaboration, on a Wazekwa et Zaki Ndengi nous fait pour l'ensemble, voilà, on a Kenda qui vers l'autre et puis pour travailler qui Ndengi déjà pour moi, on a TikTok déjà fait TikTok. Donc voilà, pour finir, concernant pardon, Moussa, animateur, Moussaou, attendez, il n'est pas là. Hein? Ah d'accord. Nyongwe. N'est pas qu'il soukrini. N'est-ce pas qu'il y a un mot là. Non bien, merci. Ils étaient venus, mais ils étaient en face de négociation avec le secrétaire Yves. Dès qu'ils vont finir, moi je serai là. On va travailler partout, on m'appelle, je viens toujours. Je suis capable, on va toujours mal ensemble. On va arriver pour Océan, pour ton information. Pour nous, quand on va finir, on va finir maintenant. Ça va, maintenant, on va déjà finir. On a la promesse de moi. Jusqu'au jour, les équipes. Non, ça avance. Bateau, il y a le psycho. Parce que quand il y a eu le processus, c'est pas comme on va continuer. On ne t'inquiète pas pour Océan, je vais bien. Question pour les villageois. Est-ce que tu penses pour les villageois, encore dans la sortie de la vente, je fais pas mal de concerts populaires. Dans la kermesse, partout. Partout, je joue avec un arrière à stade de Mathieu. Je les avais promis, on va le faire l'année prochaine. Bah, ça, on va aller. Il y a certains trucs administratifs qui ne permettent pas de les faire tout de suite. On va revenir, on le fera l'année prochaine, le stade des martyrs. Vraiment, partout le monde qui va faire le stade des martyrs. D'ailleurs, mes parents, mais j'attends mon assistant. On doit commencer en France avant de venir par le stade des martyrs. Donc, plutôt maintenant à Paris. Après, d'ailleurs, ce que ça va amener maintenant, on doit aller à l'Olivier. Les pédas maintenant, après, ça va aller à l'Olivier. D'après, maintenant, ça va pas venir à l'Olivier. Donc l'année prochaine, on va en vivre en haut. Et je demanderai tout simplement à Jonathan, son professeur qui est venu, on est de voir en ligne, pour la question, pour moi, c'est quand on va passer l'émission. Parce que la seule différence, quand on est en ligne, en sortant d'ici, on va faire une interview à chaud. On va faire la latitude ou à l'heure. Bonjour, s'il vous plaît.